Buongiorno a tutti, benvenuti su NetProf per questo ripasso generale, il terzo ripasso generale che concerne la coniugazione italiana. Dunque, ecco i 10 verbi che vi propongo di coniugare. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause directement pour essayer de les conjuguer seuls, et puis je passe à la correction tout de suite. Donc, correction que je ferai en français hein, pour la grammaire. Essi amare à l'indicatif présent. Donc, amare est un verbe de la première conjugaison, régulier, et à l'indicatif présent, on a donc essi amano. Amo, ami, ama, amiamo, amate, amano. Noi potere au conditionnel présent. Donc, potere est un verbe irrégulier, et notamment pour le conditionnel présent et l'indicatif futur simple, le est thématique disparaît. Hein, potere se contracte et donne donc potrei, potresti, potrebbe, noi potremmo, potreste, potrebbero. Voi dire à l'indicatif passé simple. Alors dire est très irrégulier et il faut se souvenir que dire vient du latin dicere. Hein, et donc on a effectivement, on peut dire que dire est un verbe en aere un peu. Hein. Donc ça peut vous aider, notamment pour l'indicatif passé simple qui est, donc si vous vous en rappelez, dicesti. Hein, le di, si bon irrégulier, le dicesti, entre guillemets régulier, puisque dicere, hein, dicesti, donc la terminaison régulière. Donc on a dicesti, disse, dicesimo, diceste, et puis dissero. D'accord? Donc voi diceste. Noi tenere au subjonctif présent, donc tenere, très irrégulier, hein, notamment au subjonctif présent tenga. Hein. Mais pour la personne noi, je rappelle que la personne noi du subjonctif présent est identique à la personne noi de l'indicatif présent, et pour le coup, qui est régulière. Noi teniamo, donc che noi teniamo. Tout durare à l'impératif affirmatif. Donc là, durare est un verbe régulier à l'impératif affirmatif. Dura. D'accord? Le A est conservé. Hein, pour les verbes en ere, le E devient I. Et pour les verbes en ire, le I est conservé. Io morire au conditionnel présent. Donc morire, bon, cumule les irrégularités. Hein. Donc ici, au conditionnel présent et puis à l'indicatif futur simple. C'est relativement régulier, d'accord? Et l'on a io morirei. Alors je vous indique la forme io morrei, hein, avec le double R. Elle est rencontrée notamment en poésie, mais dans le langage parlé, honnêtement, c'est io morirei. Hein. Bon, le morrei, on ne l'entend plus souvent. Bon, je l'indique ici à titre d'exemple. Elli cercare au subjonctif imparfait. Donc, cercare, hein, notamment les irrégularités avec le H qui s'intercale, hein, cerco, C-O, cerchi, C-H-I, hein, etc. Donc, au subjonctif imparfait, il n'y a pas d'irrégularité et l'on a elli cercasse, hein, che elli cercasse. Donc, cercassi, cercassi, cercasse, cercassimo, cercaste, cercassero. Tu muovere à l'indicatif présent, bon. Quelques irrégularités, notamment avec le U diphtongué. Bon, pour l'indicatif présent, il n'y a pas de souci. Hein, tu muovi, hein, donc comme tous les verbes en R, comme prendere, hein, prendo, prendi, donc muovo, muovi, pas de problème. Io perdere à l'indicatif imparfait. Donc perdere est a priori irrégulier, notamment pour le passé simple, participe passé, mais ici pour l'indicatif imparfait, pas de problème. Io perdevo. Et enfin, richiamare, essi richiamare au subjonctif imparfait, donc richiamare, hein, sous conjonction chiamare, qui est un verbe totalement régulier, et donc essi richiamassero, donc che essi richiamassero. Bon, on peut se le conjuguer, allons-y, au subjonctif imparfait, richiamassi, richiamassi, richiamasse, richiamassimo, richiamaste, richiamassero. Ecco per questo terzo ripasso generale. A presto!